Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo, vidéo d'extérieur au programme de celle-ci, une exposition, celle de Romy Schneider. Écoutez, ça commence super bien, on est ici au cinéma Le Palace, on est arrivé avec nos tickets, on s'est juste présenté, et voilà, on nous a laissé ce petit salon à notre entière disposition pour l'intro de la vidéo et également pour le débrief de celle-ci, donc le Ciné Palace, si vous êtes... plus ou moins ancien sur la chaîne, ben on était déjà venu ici pour l'expo de Louis de Funès. Entre parenthèses, on avait adoré, c'est en plein centre de Bruxelles. Pour vous donner une petite idée, on est à une centaine de mètres de la Grand Place. Donc, nickel, prêt à commencer l'expo. Avant ça, quand même présenter celle-ci, Romy Schneider. Bon, ben, j'ai beau avoir la cinquantaine, début de la cinquantaine. Romy Schneider, c'est pas tout à fait mon cinéma. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de films à elle dans ma collection. J'en ai quelques-uns, notamment Les Sissi Impératrices, Le Vieux Fusil, La Piscine. Mais bon, je veux dire, je ne suis pas un fan de l'actrice. Je ne connais pas grand-chose sur elle. Je sais qu'elle est née en Allemagne. Oui, à l'époque... du Reich, l'Autriche, Vienne faisait partie de l'Allemagne, qu'elle est décédée très jeune en 1982, à l'âge de 43 ans, si je ne me trompe pas. Suicide, point d'interrogation. Elle serait décédée seule dans un appartement parisien. Et puis, ben voilà, les films que je viens d'évoquer, son histoire avec Alain Delon, que j'ai bien sûr entendu, comme tout le monde, mais bon, justement, cette expo, j'espère en savoir beaucoup plus sur l'actrice et peut-être aussi sur la femme elle-même. Alors, niveau critique, ben, elles sont très bonnes, hein, surtout si je m'en réfère à ce que l'un d'entre vous m'a envoyé sur le groupe Facebook. Cette expo serait passée à Paris avant de s'arrêter ici sur Bruxelles. L'un d'entre vous, je ne me souviens plus très bien qui maintenant, mais l'un d'entre vous a été la visiter. Il a vraiment été charmé par l'expo. J'espère avoir les mêmes sensations d'ici une petite heure, puisque c'est ce qu'on nous annonce comme durée de l'expo. Et donc voilà, comme je vous le dis, hein, j'espère en savoir un peu plus sur l'actrice, sur la femme, essayer de tomber sur des objets. Hein. C'est ce qui m'attire énormément dans ce genre d'exposition, tomber sur des objets, des vêtements ayant appartenu à la personne. Donc voilà, on va commencer gentiment l'expo. On fait comme d'habitude pour ce genre de vidéo, on filme ce qu'on peut, comme on peut, et puis on se retrouve ici, hein, puisqu'ils nous ont gentiment prêté le petit salon pour la durée de notre vidéo. On se retrouve d'ici quelques minutes pour vous. Pour le débrief avec Andrés à côté de moi. À tout de suite.
Sympa là, ils te font le scénario de Ludwig. Version numérique. Ouais. C'est sympa, hein. C'est génial. Ta production. Est-ce que tu peux agrandir ça? Non. Non, quand même pas. C'est pas mal. Hein. Non, c'est pas mal. Ouais, ça fait vraiment chouette, hein. Vas-y, tonton. Oh, il y a que les photos couleurs. Alors, je vais passer de l'autre côté. Franchement, chouette, hein. Photos couleurs. Attends. Croquis et tout.
C'est encore des photos, je pense. Non, là, c'est le script. Ah, ah voilà. Ils l'ont numérisé, quoi. Tout le, ouais, tout t'as 180 pages, hein. C'est comme, si tu veux faire, tu fais des copies, tu fais un original, quoi. Une copie, quoi, de l'original, plutôt. Franchement, chouette, quoi. Ok, de retour dans notre petit salon, hein, qui nous ont gentiment affrété, génial. L'expo, je dirais, ça me sort comme ça, quoi, waouh.
Franchement, non, beaucoup à dire plutôt. Beaucoup à dire. Et surtout que j'ai découvert dans cette expo tout ce que j'attends de ce genre de manifestation, quoi. Des objets, on va y revenir, des vêtements, des photographies superbes, mais surtout pour moi la plus belle chose que j'ai trouvée ici dans cette expo, c'est la femme en elle-même. Je ne la connaissais pas comme ça. Je l'ai dit en début de vidéo, je suis pas l'expert de Romy Schneider, le grand fan. J'ai quelques films à elle, mais j'ai surtout envie de poser la question à Andrés ici, parce que lui, franchement, c'est 30 ans. Romy Schneider, c'est limite du noir et blanc avant l'expo. Après l'expo, avec tout ce que tu viens de voir, Je l'ai connue avec Sissi l'impératrice, enfin les films de Sissi l'impératrice. Et j'ai presque envie de te dire, de manière forcée, tel que je te connais. Exactement. Parce que c'est pas du tout mon cinéma du tout. Ce que je retiens et ce que l'expo me met directement en avant, c'est sa beauté, quoi. Ouais, ouais. Sa beauté, son regard, c'est magnifique, quoi. Moi, mon jeune âge, c'était ça. Je l'avais. Son nom équivalait à sa beauté, quoi. Enfin, en tout cas pour moi maintenant. Maintenant, grâce à l'expo, j'ai même envie de te dire que je ne la savais pas aussi belle, quoi, justement. Oui. Je ne la savais pas aussi belle. Non, et une petite anecdote comme ça. On était bon parce que ici sur l'expo, ben vous avez forcément les incontournables, la piscine. On va y revenir maintenant ici dans le débrief. Je disais Andrés, je suis toi Andrés, 1950, 60, 70, ce que tu veux, quoi. Quand une femme est belle, elle est belle, quoi. Ah oui. Elle était vraiment magnifique. Et il n'y avait pas autant d'artifices avant que maintenant, quoi. Franchement, une femme, clairement, hein, je le découvre ici. Hein. Franchement, ça, c'est pour moi, c'est une découverte clairement en avance sur son temps, authentique. Je ne me l'imaginais pas comme ça, de mes souvenirs à moi, des films à elle, bien sûr. J'en ai à la maison. Hein. J'ai la piscine, j'ai le vieux fusil. Et j'ai les Sissi impératrice, entre parenthèses, ma femme était complètement fan. Et bon, ben, c'est un peu comme toi, hein. T'as dû être forcé. Oui, j'ai dû forcer. Par contre, le vieux fusil, ça, c'est vraiment mon cinéma. Et je te le conseille. On va y revenir tout de suite. Mais voilà, quoi. L'expo, ben, tout est 100% authentique, hein, des vêtements. On a fait notre petite enquête. Oui, parce qu'il y a vraiment un objet, on y revient tout de suite, il y a vraiment un objet qui nous a, nous a bluffé, même si, ce qui est quand même le plus beau, c'est dans ce genre d'expo, de manifestation, c'est clairement de retrouver des vêtements qu'elle est carrément portée. Superbe. Franchement, et là, il y en a 4-5 robes, j'ai envie de dire, un peu plus. 3, 4, 5, je dirais. 4-5 robes. Quelques petites reconstitutions de certains films, notamment de nouveau Sissi l'impératrice, Le Trône. Dès l'entrée, en fait, vous avez ça. Mais c'est ça qui l'a fait décoller, je pense. Vous l'avez vu sur la vidéo. La perruque, je pense que ça, c'est peut-être pas authentique, tu vois. À moins que, je sais pas, parce que là, il n'y a pas cette... Non, je crois que c'est une reconstitution. Ouais, je pense que c'est une reconstitution. Parce qu'une perruque, il faut y aller, quoi, tu vois, c'est... Je sais pas maintenant ceux qui ont des... Franchement, là, j'ai dit, ça commençait comme ça, je dis, ben là, ça sent pas vraiment l'authenticité par après, bien par sûr. Par après, ouais, c'est génial. Les vêtements, on les a évoqués. Les objets ayant appartenu à la diva, comme j'ai envie de dire... bien sûr, hein, on le voit bien, hein, trois incontournables hein, dans cette expo, la piscine, le vieux fusil, les choses de la vie, c'est en tout cas moi, et bien sûr Sissi l'impératrice, c'est vraiment, l'expo fait vraiment un arrêt sur ces quatre films-là, et c'est bien vu, parce que pour moi, Sissi l'impératrice, ben, c'est un peu les débuts, hein, on la voit toute jeune, c'est là qu'elle devient ce qu'elle est devenue. La piscine, c'est son histoire, ni plus ni moins, avec Alain Delon, avec une superbe anecdote que je vous raconte tout de suite. Et puis, évidemment, les choses de la vie, et surtout le vieux fusil, ben, c'est quelque part enterrer ses fantasmes avec l'Allemagne. Faut savoir qu'elle était allemande,
Hein, en réalité, on aurait dit qu'elle est autrichienne, en vérité, puisqu'elle était née à Vienne. Malheureusement, à l'époque du Reich, c'était annexé en Allemagne. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit, annexé, ou ça appartenait, oui, en tout cas, voilà. L'Autriche appartenait à l'Allemagne. Quand je dis exorciser sa jeunesse, ben ouais, forcément, puisque dans sa famille, je pense, je suis pas un expert, mais je pense que sa maman était assez proche du régime. Quand même. Ouais. Donc, elle a, franchement, je pense qu'elle a vraiment bien exorcisé toute cette époque-là de sa vie à travers le cinéma, avec des films comme Le Vieux Fusil, avec le film comme Le Train. Et elle aura fait, et j'ai vraiment envie de les découvrir, les autres, mais elle en aurait fait, je lisais là à l'expo, 4 ou 5 films sur le thème de la Deuxième Guerre mondiale et du nazisme. Ah, 4 ou 5 films. Moi, personnellement, je vous cache pas, j'en ai vu 2, Le Train et Le Vieux Fusil. Ça, c'est des films que je te conseille, surtout Le Vieux Fusil, parce que j'ai vu que tu as été marqué par... Ouais, vous avez vu le gros plan que j'ai fait, une scène que moi, je savais pas. Moi, j'ai juste vu la pellicule vois... Ouais, elle est horrible. Hein, Donc voilà, tu me dis que c'est une scène clé du film, donc à voir, quoi. Ouais, un film clairement... à voir. Oui, alors aussi la photographie de cette expo, hein, comme le dit ici le petit flight, c'est carrément exhibition. Ouais, c'est une exhibition de Romy Schneider à travers ses portraits, ses photos. Comme je viens de dire, en avance sur son temps. La voix, torse nu, posé nu, carrément, hein, oui. Posé nu, cigarette en main, franchement. On ne peut pas vous montrer, évidemment. Évidemment, on est sur YouTube, malheureusement. C'est ça. Mais en tout cas, très, très explicite. Et on voit que, en tout cas, toutes les photos qu'il y a là, c'est magnifique, quoi. Elle n'avait pas, enfin, chaque cliché qu'on voit, c'est, on se retrouve dans telle époque, telle époque, telle époque. Mais elle, on dirait qu'elle a vécu dans... Ouais, elle est en avance sur son temps, là. Tu me le disais en rigolant, tu me dis, ouais, mais tu sais, Joaquin, franchement, c'est un peu Sharon Stone de mon époque, voilà, ou quoi. Ça, elle avait quand même aussi déchiré elle avait passé un cap, elle avait, avec Basic Instinct. Bon, là, c'est peut-être pas ce point-là, même si. Hein. Non, mais c'est ça, c'est comme j'ai vu des photos, je dis, on peut pas vous montrer, vous devez venir les voir. Ouais. Même si. Et on en arrive justement à la piscine, hein, parce que même si, dans la piscine, pour l'époque, je pense que le film sort en 68, je pense, 68-69, ce film-là, il y a plein d'actrices qui ont refusé de tourner parce que justement, tu le vois clairement. Dans les années 60, donc c'est avant les années 70. Oh, faut se mettre dans le contexte. Voilà, ce que tu as vu comme scène, bon, on n'a pas tout filmé. Pour... Vous devez venir voir. Voilà, c'est ça. Faut se mettre dans le contexte. C'était 68. Moi, j'étais pas né. C'était il y a plus de 50 ans, quoi. Donc, des femmes nues, ben, il fallait acheter des magazines presque etc. en cachette. Ouais, hein. etc. Ouais, donc, voilà, magnifique, superbe. Et bien sûr, juste s'attarder sur la piscine avec Alain Delon. On parle tout le temps, Romy Schneider, Alain Delon. Finalement, ils ont pas été mariés ensemble. Okay. Ils ont eu une histoire ensemble. Il y a quand même quelque chose. Ouais, et accroche-toi bien à l'anecdote, parce que moi, franchement, je suis resté, je dis, waouh, ça c'est fort, quoi. Ça c'est fort. Figure-toi que, donc, Delon et Romy Schneider ont leur histoire d'amour. Mmh. Cette histoire s'arrête. Je ne sais pas qui a mis un terme ou pas, ben, ça les regarde. Hein, ça le... Ouais, le fait c'est que c'est voilà. Fini. 4-5 ans plus tard, le tournage de la piscine commence. Ils essayent de trouver une actrice qui tiendra le rôle avec Alain Delon. Alain Delon qui est quand même la tête d'affiche, hein, dans le film. Beau gosse, entre parenthèses. Exactement. Et au bout de quelques essais, quelques castings avec différentes actrices, le gars tape sur la table et dit, bon, ben, ça sera avec Romy Schneider ou ça sans moi. Ah, donc il avait auditionné plein de filles. Plusieurs actrices ça ne convenait pas. Et le gars, il fait, moi, c'est ou avec Romy Schneider ou sans moi. C'est terminé. Bon, il fallait la convaincre. Là, il a imposé. Il fallait la convaincre et avec ce que je viens de te dire, quoi. Donc, tu vois, à 4-5 ans qu'ils s'étaient séparés. On sait pas. Mais bon, vu que lui l'a demandé, je crois que c'est elle qui est partie. Je sais pas, mais bon, elle a refait sa vie. Elle était mariée, elle avait déjà eu un enfant.
ou deux, enfin je sais pas, en tout cas, elle était mariée, elle avait un enfant. Okay. Lui oui. aussi, il avait refait sa vie. Ah, donc ils étaient mariés chacun. Et voilà que 4-5 ans plus tard, ils se revoyaient. Alors, j'ai un petit vidéo-reportage, je ne sais pas si on a les droits de montrer ça, si tu peux le mettre ici en petit, tu vois carrément Delon aller recevoir Romy Schneider à Saint-Tropez, carrément sur le tarmac, avec les paparazzi, en veux-tu, en voilà. Écoute, tu m'as envoyé cette vidéo, s'il y a moyen, on la met de côté. Tu vois, tous les paparazzi occupent à pousser déjà. Ils vont se remettre ensemble, c'est parti. Ah ouais, ouais, à mettre à les rabibocher. Ah ouais, en plus de ça, ils découvrent le script de la piscine où il y a des scènes assez explicites. Ah, okay. La France est, waouh, là, ça va être la folie. Et bon, ben, effectivement, le tournage commence, les scènes, t'en as vu. Oui, j'en ai vu une. Hein, t'en as vu une ou deux. Remettons-nous dans le contexte, c'est assez explicite. Résultat des courses. Dans les années 68. Ouais, le mari de Romy Schneider prend un avion avec son fils et débarque au tournage. Quoi. Il dit c'est fini. Il avait vraiment peur que l'histoire reprenne. Bah, en même temps, tu sais bien, la presse et compagnie, il faut bien vendre les journaux et les revues spécialisées. La presse et les deux qui ont manifestement eu quelque chose de très, très, très fort ensemble. Ils n'ont pas été jusqu'au bout. Je veux dire, pour des choses qui les concernent à eux, quoi. On ne sait pas l'intimité de chaque personne, mais manifestement, il n'y a qu'à voir maintenant Alain Delon dans un reportage. Ce reportage, je l'ai mis il y a quelques mois sur le groupe Facebook, où il revient un peu sur sa carrière. Et bon, ben, forcément, quand il évoque Romy Schneider, il est au bord des larmes, quoi. Gars dit, je ne pourrai plus jamais de ma vie revoir le film La Piscine, je ne pourrai plus. Je veux dire qu'ils ont fini leur relation et tout ce qui va avec, mais ils sont restés bon copain, on va dire. Je pense, ou peut-être que distancé, parce s'ils se rapprocheraient. Ouais. Donc, mais je veux dire qu'ils ont... Ils ont eu un lien très fort, ça n'a pas été juste... Une amourette, voilà. comme vous dites maintenant dans les jeunes, dans un one-shot, non, ça a été vraiment manifestement... Quelque chose beaucoup plus grand que ça. Ouais. Et forcément, quand on voit toute cette expo, on se dit, comment est-ce possible, la fin tragique de cette femme, c'est incroyable quand on voit la beauté et la réussite, parce que il y a une phrase là dans l'expo qui m'a marqué. Elle dit en Allemagne j'étais rayée des cases, en France je n'y étais même pas inscrite, j'étais juste la jolie petite fiancée d'Alain Delon, et puis regarde ce qu'elle est devenue, quoi. D'ailleurs, ce qu'elle est devenue en se séparant de lui, elle a quand même eu sa carrière, on pourra pas dire que c'était la groupie d'Alain Delon. C'est pas qu'elle a réussi à cause de lui. C'est une grande dame du cinéma qui a tout réussi, qui a reçu les plus belles récompenses, dont une, le César. Franchement, magnifique. César, Moi, c'est la première fois que je vois ça devant moi, cette récompense. On s'est renseigné, il semblerait que c'est de l'authentique. Mais bref, quand on voit tout ce qu'on vient de voir, quand vous visitez cette expo, vous en sortez. Moi personnellement, je suis vachement touché parce que je connais le destin tragique de cette femme, et quand on voit tout ce qu'on vient de voir, on se l'imagine pas un instant. Mais ouais, elle est décédée très jeune, à l'âge de 43 ans. Très jeune, ça. Ouais, suicide. Point d'interrogation. Va-t'en savoir. Elle aurait été retrouvée morte seule dans un appartement, dans son appartement de Paris, occupée à rédiger une lettre. Ses derniers mots, sa lettre d'adieu, je ne sais pas vraiment. Ça reste dans le cadre privé. Familial, ouais, franchement, ça serait du voyeurisme de la montrer à travers. Mais ce qui vient maintenant, c'est honteux, parce que cette femme donc est décédée, et quelque part, comme le disait Delon lui-même, figure-toi qu'il n'a même pas été étonné du décès de Romy Schneider, parce que évidemment elle a eu un événement tragique juste, je pense que un an, si je ne me trompe pas, un an avant son décès ou son suicide, enfin en tout cas son décès, son fils est décédé accidentellement à l'âge de 14 ans. Mais une mort horrible, quoi. C'est pas permis, une mort comme ça, c'est horrible. Oui, le gamin revenait donc d'une balade avec ses potes, imagine-toi, 14 ans. Bon, je veux pas faire le tour pour rentrer par la porte, je vais escalader la barrière, quoi. Et sur l'un des barreaux, il a glissé
Et il s'est fait perforer l'abdomen. Donc, résultat... Ah, l'abdomen, carrément. Ouais, et ça aurait pris... Ah, il est mort sur... Ah, il est empalé, quoi. Ouais, empalé, quoi. Rends-toi compte, à 14 ans, elle s'en est jamais vraiment remise. Et un an plus tard, elle est décédée. Ça, on ne sait pas. Mais bon, surtout, t'imagines, le lendemain, elle va, je vais voir mon fils... Il est pas dans la chambre, elle sort et voit la scène. Et je pense que si je ne me trompe pas, c'était même pas chez elle, c'était chez ses grands-parents. Ouf. Chez les grands-parents du gamin. Donc, c'est horrible, quoi. Mm. Horrible. Et puis bon, elle n'a pas manifestement. Elle n'a pas pu. Elle n'a pas osé. Mm. Mais quand je te dis, imagine-toi ce que cette femme était devenue. C'est limite scandaleux quand on parlait de voyeurisme en nous montrant la lettre. Il y aurait des paparazzi qui seraient rentrés à l'hôpital et qui seraient rentrés dans la morgue et qui aurait pris des clichés du gamin, quoi. C'est pas possible. Donc elle a vraiment été bouleversée par tout ça, et on en revient, nous qui aimons le cinéma, Delon qui quand on parlait de la relation qu'ils avaient tous les deux, il n'a pas assisté aux obsèques. Le jour de son décès, il a été dans l'appartement, il est resté avec elle dans la chambre, elle couchée, décédée à côté d'elle. Il est resté pour lui faire ses adieux. À l'enterrement, il n'a pas été. Il a été quelques jours plus tard se recueillir tout seul sur la tombe. Donc, il devait y avoir quand même quelque chose de très très fort entre eux deux. Ouais. Bon. Donc voilà, ça c'est une parenthèse qui est presque plus longue. Elle est triste. On comprend pourquoi et du comment. Elle est partie très jeune, quoi. Et comment on sort bouleversé quelque part. Allez, en tout cas, je vais pas exagérer, mais bon, on sort quand même. En tout cas, moi. Maintenant, toi qui le sais aussi, on sort quand même touché d'ici, quoi, parce que la beauté, l'argent, et même la santé, ça ne suffit pas des fois, quoi. Elle avait rien. Enfin, disons, c'est triste. C'est vraiment très triste. L'expo, ne l'est pas vraiment, forcément. Pourquoi on en ressort comme ça? Pas du tout. Si on ressort comme ça, c'est parce que justement, elle est bien. C'est justement pour ça. Elle est bien. Ouais. Elle est à l'affiche donc du 24 mars au 25 juin 2023. Ici, bien sûr, à Bruxelles, à quelques pas de la Grand Place de Bruxelles. Donc, vraiment en plein centre. En parallèle avec cette expo, nous avons des projections aussi. Donc, je vais voir un peu les projections qui passent. Donc, il y en a une déjà le 6 mai, justement. Demain. Ouais. La piscine à 13h45 en version originale française sous-titrée anglais. Ben tiens, pour une fois, c'est lui qui se tape le sous-titre. nous avons donc, attends, le 6 mai, nous avons le 9 mai. Romy Schneider, Le combat dans l'île, version française, à 19h. Et puis, nous en avons un autre, je pense. L'important, c'est d'aimer, à 18h05, toujours à 19h, version originale française. Mais je sais qu'il y a aussi les choses de la vie qui sont prévues. Enfin, il y a toutes des projections Vous avez un peu à côté, c'est bien. Ouais. Je vais mettre un peu à côté, ou ici, je ne sais pas où. Ouais. Un peu le time des projections, ce qu'il y a deux ans, ce qu'il va avoir, parce qu'ils le font chaque semaine, donc par semaine. Et puis vous avez encore le temps, hein, jusqu'au 25 mai. C'est ça. Même on a beaucoup d'abonnés français, même si ils l'ont peut-être raté en France. Ouais, parce que ici, elle serait passée, hein, comme j'ai dit en début de vidéo, je pense. L'expo est déjà passée en France, mais peut-être qu'ils font un crochet, qu'ils remontent par Lille. Oui, on sait jamais. Voilà. Donc voilà, niveau qualité-prix, moi je donne un 10 sur 10, franchement. C'est le prix d'ailleurs aussi de l'expo, 10€. Avec ça, vous avez 20%, c'est ça, André? 20% de réduction au bar. Il y a une belle restauration à côté, normalement. On va aller voir. Et conclure, hein, André, c'est par dire un grand merci. Oui. Franchement, parce qu'on n'est pas toujours accueillis comme ça. Il faut dire que de plus en plus, et c'est un peu le but du jeu. Hein, ça fait de la pub pour eux aussi. Ça fait de la pub, ça fait du bouche à oreille. Du bouche à oreille, et ça leur coûte entre guillemets rien, juste la com. C'est clair. Mais en effet, t'as raison de bien souligner ça, parce que pour nous, entre parenthèses, pour un petit débrief qu'on fait dans un bar ou quoi que ce soit, on nous l'a refusé. On s'est déjà fait larguer. Hein. Voilà. Pas de ça. Des caméras, les gens. Voilà, c'est très compliqué. Merci tout au staff et à toutes les personnes qui nous ont permis de faire cette vidéo ici.
C'est super gentil, en plus avec le confort qu'on a. Oh non, et les lumières et tout. C'est limite professionnel. Hein, exactement. On va attraper la grosse tête. Hein. Bah, en tout cas, ici au Palace, on a déjà fait deux expos. Je crois que tu l'as dit au début. Ouais. On a fait déjà deux expos et les deux expos topissimes. Oh ouais, c'est clair qu'on était déjà venu pour l'expo de Louis de Funès. Ouais. Petite suggestion. On est venu pour l'expo Romy Schneider et franchement, on reviendra à la prochaine qui touche le cinéma parce qu'ils font ça d'une manière superbe. Ouais, très intelligent. Franchement, vous avez l'expo, vous avez les projections et toujours la petite boutique. Hein, un petit mot quand même sur la petite boutique pour conclure avec des chouettes bouquins quand même. Mm-hmm. Il y en a deux, trois à des prix assez corrects. Standard. Ouais. C'est pas... Gros pavé, 35 euros. Non, franchement, ça reste dans le prix, quoi. Bon, ben, on va peut-être amortir alors tout à fait notre ticket, profiter de ces 20%. On va se faire une petite restauration. Et donc voilà, on va vous donner déjà rendez-vous pour une prochaine vidéo qui arrivera très vite. Si vous avez aimé celle-ci, lâchez-nous un gros like. Nous, on lâche un gros like au cinéma Palace. Franchement, ils ont été géniaux, rien à dire. Et bien sûr, continuez à nous suivre, venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Très important de nous rejoindre sur Facebook aussi. C'est là qu'on laisse les infos pour ce genre plus vite, de manifestation. En tout cas. Donc voilà. Dès qu'on a les infos, on balance là-bas. Et bien sûr, vous abonnez, venez rejoindre la famille. C'est la meilleure façon de ne pas rater ces genres de vidéos si vous avez apprécié celle-ci. Je vous fais de gros bisous à tous et à toutes et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. On va se restaurer? Oui. Ciao, ciao. Ciao.